soir, Philippe Gueluc, Annie Lemoine, Stéphane Coquerin, oui c'est lui, Jean-François Derecq, Claude Sarotte et Perry Cochin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes un homme transformé, Jean-François Derecq. Vous savez qu'on m'a demandé de remonter un peu le niveau général de l'émission. Ah oui. Donc je vais participer, je vais plus donner mon avis sur les grands problèmes de notre époque. Donc je tiens à vous dire, les gags avec des slips, terminé. Ah bon? Maintenant, ce sera des gags avec des caleçons. Oui, alors, je vois que tout de suite le niveau... C'est pour ça que vous ne vous rasez plus. Exactement. Vous rasez les autres, mais vous-même, vous évitez. Ouais, bonne ambiance. Alors, il n'y aura plus jamais le bonnet rouge? Si, peut-être un jour, c'est pour ça qu'il faudra que les gens regardent tous les jours. Parce qu'un coup, il y aura le bonnet, qu'il y aura pas. En fait, je sais ce qui s'est passé, Claude. Vous avez vu comme moi cet été que Jean-François Derecq était à la une du Figaro littéraire. Puisqu'il il publie un premier roman. Il sait vraiment pas quoi mettre dans les pages d'été. Hein. Et alors, il fait partie des jeunes espoirs de la rentrée. Exactement. Alors voilà, d'un seul coup... Stéphane Coquerin, vous êtes quand même le plus vert d'entre nous et on peut dire qu'on a passé un été formidable écologiquement parlant, Stéphane. Ah oui, la pollution, la canicule, tout ça, c'était assez terrible. Hein. Mais vous êtes toujours vivant, vous voyez. Je suis toujours vivant et donc Derecq a changé de chapeau, mais moi je ne retourne pas ma veste. Parfait, très bien. Terry, c'est votre retour parmi nous. Tout va bien, je suis très contente. L'été a été bon. Excellent. Excellent, bon, parfait, rien de plus à dire. Absolument rien, je suis ravie. Ah mais bon. Pour une fois qu'est-ce que c'était. Quant à vous, Philippe Gueluc, des nouvelles de Belgique? Été studieux, mon cher Laurent, j'ai travaillé beaucoup cet été. Bon, parfait. Et vous, Annie Lemoine, alors? Heureuse. Ah, ça se voit, dites donc. Alors, blanc aujourd'hui, soutif. Allez. Il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle du Premier ministre, évidemment, M. Jean-Pierre Raffarin, qui, dans un entretien au Figaro aujourd'hui, annonce une baisse de l'impôt de 3%. Alors, on peut être pour ou contre, mais quand on voit M. Raffarin, et particulièrement son dos, on se dit que lui, il ferait mieux de ne pas payer ses impôts, ça lui permettrait d'avoir un redressement. Vous connaissez le slogan du Premier ministre? Votez pour moi. C'est bien que les impôts baissent, Claude? Je ne sais pas. Ah. Ben, les avis sont très contraires les uns aux autres. Tiens, à ta station, là. Il y avait Bérou ce matin, il a dit que c'était une catastrophe pour mes petits-enfants. Mais et pour vos enfants. Mais il a raison, il a raison. On a passé un été où on vient de voir à quel point on a besoin des services publics, des gens dans les hôpitaux, qu'il faudrait plus de moyens pour s'occuper des personnes âgées. Et alors, en septembre, tout le monde oublie, on dit on baisse les impôts. Donc, on va financer ça comment? Ça n'a pas de sens. Et même au niveau de la construction européenne, même l'Europe a dit qu'en faisant ça, c'était absurde puisqu'on creusait le déficit. Je ne suis pas sûr qu'il arrive à faire baisser les impôts de 3%. Il n'a même pas réussi à faire baisser le thermomètre de 3 degrés. Dans le même entretien au Figaro, M. Raffarin confirme aussi son souhait de supprimer le lundi de Pentecôte des jours fériés. Supprimer un jour du week-end de la Pentecôte, à mon avis, c'est un truc pour faire chier la famille Mitterrand. Ça leur fait un jour en moins pour escalader la roche de Solutré. Mais c'est vrai que c'est pas facile à choisir, supprimer un jour de congé. Il y a énormément de fêtes catholiques qui c'est sont des jours. Alors il faudrait qu'on tape un petit peu partout. Annie? Moi je suis contre l'idée de supprimer un jour férié. De toute façon, pour les personnes âgées, c'est tous les jours qu'on doit penser aux personnes âgées. Et pourquoi donner le produit d'un jour aux personnes âgées? Non. Dans le même entretien au Figaro, le Premier ministre parle aussi de la télé-réalité. Il s'est exprimé sur la participation de ses ministres au projet de TF1 de faire vivre, vous savez, un politique filmé pendant 36 heures dans une famille française. Et M. Raffarin a déclaré, je cite, « On n'a pas besoin d'être en pyjama pour exprimer ses convictions ». Eh bien, il a raison, M. Raffarin. Mais les ministres pourraient peut-être y aller sans pyjama pour faire connaître leur position. Oh.
Moi, je dis c'est dommage, parce qu'on se serait bien marré, avouez, si on les avait vus en pyjama. Regardez Luc Ferry, par exemple. Il serait pas mignon comme ça à la télévision? Et Nicolas Sarkozy, regardez, en vêtements d'intérieur. Bon, alors évidemment, ce qui serait original pour M. Sarkozy, c'est que pour une fois, il ne soit pas filmé. Ça, ce serait une nouveauté. Et Roselyne Bachelot, tenez. Elle est pas... Hein, elle est pas chouette. Elle est mieux comme ça que d'habitude, moi. Ah, imaginez en plus qu'on s'aperçoive qu'elle ronfle. Elle fait tellement pas attention à son environnement. Il a raison, alors, Raffarin, de leur supprimer ça? Ah non, alors moi, je suis tellement à fond pour. Ah oui? Mais bien sûr, on adore les voir un petit peu dans la vraie vie. Ce sont des pantins avec une langue de bois, on comprend rien. Eh bien non, monsieur Raffarin a dit non. On ne verra donc jamais le président de la République comme ça, ça. En kimono, c'est pas pour demain. Il paraît d'ailleurs que la décision vient de lui. En effet, pas de ministre en pyjama à la télévision, ça vient de l'Élysée. Et je trouve ça un peu gonflé, parce que pour quelqu'un qui a été pris en photo à sa fenêtre à poil à Fort Brégançon, ah, oui. Faut oser quand même. Chérie. Est-ce que l'interdiction est valable aussi pour les anciens ministres ou les éventuels futurs? Chacun fait ce qu'il veut après. Évidemment. C'est juste ceux qui sont au gouvernement. Ceux qui sont au gouvernement. Eh bien alors que les autres y aillent en attendant. Ils on pourrait avoir Annette Laguillet en robe de chambre pilou-pilou. Voilà, voilà. Non, mais François Hollande, de toute manière, a interdit à tous les socialistes d'y aller. Mais aussi. Ce qui est extraordinaire dans cette émission, c'est qu'on voit donc que les politiques disent que la télé-réalité, c'est de la merde, mais ça ne les gêne pas que le reste du temps, tant que ce n'est pas des politiques qui y aillent, ça ne les gêne pas que le programme passe. Donc je trouve ça un peu hypocrite. Pas faux. On passe à autre chose avec cette photo de Bertrand Delanoë, Jacques Chirac, présent hier, vous le savez, aux obsèques des personnes seules oubliées dans la canicule. Il paraît que M. Delanoë et M. Chirac ont failli faire une gaffe à la fin de l'enterrement. Ils voulaient aller serrer la main aux familles. Oh, oh. Ouais. Bah oui. Elle est moyenne. Mais il n'y avait pas. Puisque les personnes inhumées hier ont été justement délaissées par... Enfin, justement, non. Quand je dis justement, c'est pas malheureusement, juste. Malheureusement voilà. Délaissées par leur famille, on se demande évidemment qui étaient tous ces gens présents à l'enterrement hier. Mais on a la réponse. C'était des intermittents du spectacle. Puisque Avignon et les Francofolies n'ont pas eu lieu cet été, mais que le festival de l'hypocrisie a bien été programmé pour la rentrée. Non, mais vous avez vu ces gens qui se sont levés le matin pour aller à l'enterrement alors qu'ils ne les connaissaient pas. Exactement. C'était ça, magnifique. C'était très beau à voir. Oui, vraiment. Voilà, c'est sur cela qu'il faut compter. Autre photo. Celle de Charles Millon, dont la région lyonnaise a réussi à se débarrasser puisque l'ex-président du conseil régional vient d'être nommé ambassadeur de France. Bon, c'est vrai qu'il a toujours été diplomate, avec l'extrême droite surtout, mais franchement, Charles Millon, ambassadeur, c'est un truc à ce que Ferrero Rocher porte plainte pour préjudice à son image. Autre photo, celle de Zinedine Zidane, incertain, vous le savez, pour le match France-Chypre de samedi soir prochain, à cause d'une blessure à sa cuisse. Ah, la cuisse de Zizou, c'est reparti. Il y avait longtemps qu'on ne nous en avait pas parlé. Faut dire que dès que Zidane a mal à la cuisse, c'est toute l'équipe de France qui bat de l'aile. Et on ne peut même pas lui greffer une cuisse d'un joueur du Paris Saint-Germain, parce que pour ça, il faut un organe qui était encore en vie il y a moins de 48 heures. Je ne vous interroge pas sur le football, je sais que tout le monde s'en fout autour de cette table du foot. Ah, non, c'est pas non, vrai, non, moi, ça me passionne. Non. Ah ouais, ouais. La cuisse de Zizou, ça vous passionne? Non, le football. Ah, le football. Ah oui. Ouais, moi aussi, j'adore. Bah, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse dans le foot, c'est la cuisse de Zidane. Je l'adore. Mais je veux dire, ben bah oui, écoute, il est fabuleux. Il met un peu de glamour, il met... Il est beau, il est adorable. Moi, mais je l'ai vu à la télé. Vous vous intéressez au foot, Derek? Je m'intéresse au foot. Bon, c'est pas pour ça que j'ai quelque chose à dire dessus, mais non, je vois bien. Ok, alors on passe à autre chose. On termine par une photo de la chanteuse Alizé, star de la maison de disques Petit Bateau. C'est ce soir le dernier de la série de ses concerts à l'Olympia. Il était temps pour elle, parce que quand même, la rentrée des sixièmes, c'était mardi, Alizé. Ça, où je vous ai dit à l'Olympia. Enfin, elle est produite par Mylène Farmer, c'est ça, hein? Ouais. C'est même elle qui a dessiné sa robe. Je sais pas ce qu'elle chante, elle chante quoi? Moi non plus. Oh, Champs-Élysées. Non, non. Annie Lemoine, vous dites c'est que bon. C'est Mylène Farmer qui a dessiné la robe d'Alizé. Oui. Dans ce cas, elle dessine mal parce que c'est un pantalon. C'est un truc au ras de voilà, c'est... Ah, tu la trouves mieux tout d'un coup. Oui, alors formidable.
Depuis 1975, la mixité à l'école est systématique, mais cela va peut-être changer. En effet, deux constats poussent à s'interroger sur le bien fondé du mélange filles-garçons dans les établissements scolaires. D'abord, la multiplication des agressions sexuelles sur les adolescentes et l'échec scolaire croissant des garçons à l'école. La mixité à l'école est donc remise en question. On recevra d'ailleurs quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, Les pièges de la mixité scolaire. Et je vous demande, évidemment, après, pourquoi pas le retour du martinet, si on va jusque-là, hein ? Dan Bolander, d'ailleurs, a testé pour nous interdire les classes mixtes. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréo et après, on reçoit l'auteur en question. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé interdire les classes mixtes. Voilà, on se sépare, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller, vous. Hein, voilà, vous, vous rentrez chez vous. Voilà, on se sépare. Un monsieur pour rentrer. Aujourd'hui, c'est les garçons qui rentrent. Hein. Ce sont les études alternées. Hein. Voilà, mais vous, mademoiselle, c'est la semaine prochaine, le 9 septembre. Hein. Il n'y a plus de mixité maintenant à l'école. C'est M. Ferry qui l'a décidé. Une semaine les garçons, une semaine les filles. C'est con. Voilà, bah, comme, pourquoi c'est con? Mais parce que, pourquoi? Mais vous, les filles, vous troublez les garçons. Ah bon? Mais c'est pas le contraire? Ben non, justement. Donc, comme les garçons travaillent moins bien, ça les perturbe, vous voyez. Ben moi, je suis pas du tout d'accord. C'est complètement sectaire de faire ça, ça va pas. Non, mais les garçons vous troublent dans vos études et vice-versa. Vous pas du tout. Pour vous, la rentrée des classes, c'est le 9 septembre, la semaine prochaine. Nous, on rentre le 9 septembre, mais avec les garçons. Non, justement, parce que quand vous allez rentrer, les garçons, eux, resteront chez eux, afin que vous ne puissiez pas les croiser. Ben de toute façon, les garçons, on les verra à la sortie des cours, alors à quoi ça sert? Alors, à la sortie, si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais pas dans le lycée. Hein. L'école ne sera plus laïque et on va faire des bons lycées privés. En fait, aujourd'hui, c'est pour les garçons. Et les filles, la semaine prochaine, ce sont les études alternées. Hein. Les lycées ne seront plus mixtes. Nous allons séparer les filles des garçons. Mais pourquoi? Je vous explique, parce qu'il y a trop de problèmes avec les garçons et les filles mélangés. Mais il ne faut pas faire ça. Ah ben si, pourquoi il ne faut pas faire ça? Mais il y a des beaux garçons. Il y a des beaux garçons peut-être, hein, mais voyez, ça vous perturbe dans votre apprentissage. C'est pas bien ce que vous faites. Il n'y a plus de classe mixte maintenant. Hein. Ah non, bah c'est trop nul. Pourquoi c'est trop nul? Bah, je sais pas, on a besoin de mixité, nous. Pensez à tous ces garçons qui vont vous draguer au lycée. Bah, ils vont pas venir me draguer, enfin, peut-être en récré tout ça, mais ils vont pas faire ça en cours. Ah mais oui, après ils vont penser à vous et après ils vont être troublés, voyez. Après ils vont pas venir au lycée parce qu'ils auront envie de voir des filles. Ça va être pire, hein, moi, je dis. Si c'est que des garçons et que des filles, on va devenir homo et ouais, c'est clair, ça va créer des plus gros problèmes. Si je m'embrouille avec des filles et que je reste encore avec des filles, je vais les détester, les filles, moi. Voilà les réactions des hommes. Et on va accueillir tout de suite celui qui a lancé un pavé dans la mare avec son bouquin « Les pièges de la mixité scolaire ». Accueillons tout de suite un sociologue du CNRS, M. Michel Fize. C'est aux presses de la Renaissance. Bonsoir monsieur. C'est vrai que je fais parler déjà votre bouquin. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas le premier, j'imagine, quand même, avoir eu cette idée. Mais vous, franchement, vous l'affirmez, il faut non pas rendre obligatoires les classes séparées, mais en laisser la possibilité, c'est ça? Voilà, alors d'abord, je ne suis pas un anti-mixité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je continue de penser que c'est un bon système, mais qui mérite... je crois un certain nombre d'assouplissements qui ont déjà lieu, hein, à la fois en France et en Europe. Ma position est très claire. Hein. Pour l'école primaire, non seulement je dis qu'il ne faut pas revenir sur la mixité, mais je pense même qu'il faut l'étendre là où elle n'est pas, c'est-à-dire dans les cours de récréation. Car on a là vraiment le lieu de la domination masculine au vrai sens du terme. Mais au collège? Alors. Au lycée, on ne change rien non plus. D'accord. Hein, j'ai l'impression que vous ne voulez pas aborder... Le collège. Bah oui, j'ai l'impression que vous ne voulez pas aborder ce que vous préconisez, c'est-à-dire qu'au collège, les garçons et les filles soient séparés. Alors, qu'est-ce que je dis pour le collège? Je dis qu'au niveau des petites classes du collège, 6e et 5e, là où il y a des différences de maturité entre les garçons et les filles. Hein. Donc, c'est vrai qu'elles sont plus affirmées. Du coup, l'expression « petite sixième ben, » va tout à fait pour les garçons qui peuvent souffrir effectivement de cette mixité. Donc ce que je dis, la réponse à cette souffrance, ça peut être un petit peu la séparation. Alors il faut que ce soit donc, libre de choix de l'élève. De la sixième à la troisième, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Non, non. On imagine... C'est pas facile de vous suivre là depuis tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il faut réserver
une classe ou plusieurs classes à des garçons ou à des filles qui, pour un temps donné, se révèlent incapables d'assumer sereinement la mixité. Parce en gros, vous dites, c'est à la demande. C'est-à-dire qu'on ne change pas, il y aura toujours la mixité dans les collèges, mais pour les filles qui voudraient être entre filles seulement, on pourrait faire des classes pour elles, et pour les garçons qui voudraient être seulement entre garçons, on pourrait faire des classes gays. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est ça. Merci de la transition, parce que... merci de la transition, parce qu'effectivement, aux États-Unis, on vient d'ouvrir un établissement spécifique pour jeunes homosexuels. Oui, bah, je trouve que c'est une connerie, moi. Ben, écoutez, il faut quand même rappeler que les adolescents homosexuels se suicident 5 fois plus que les adolescents ordinaires. Si on commence à les ghettoiser dès le lycée, alors qu'est-ce que ça va être après ? Non, le but, c'est comment éviter une souffrance, comment éviter des colibés, comment éviter effectivement d'être stigmatisé. En faisant respecter la tolérance au sein de gens qui sont hétérosexuels, mais sûrement pas en mettant tous les homosexuels dans la même classe. Mais en attendant, je pense qu'il faut préserver. Hein, il faut effectivement assurer une sécurité. Bon, toute l'équipe a essayé de vous comprendre, c'est pas facile. Et on va lancer notre nouvelle rubrique pour ou contre. Alors, j'ai décidé qu'aujourd'hui, Perry Cochin, Jean-François Derecq et Annélie Moine allaient être pour interdire la mixité à l'école. Et vous, Claude Sarraute, Philippe Gueluc et Stéphane Poquin, vous allez être contre interdire la mixité à l'école. Je parle d'expérience parce que j'ai vécu les deux. À l'école primaire, c'était pas mixte. Et ensuite, c'est devenu mixte. Comme moi. Et c'était formidable. Ça a été une libération, ça a été une découverte. Et je me dis, pourquoi cette parenthèse dans la vie d'un être humain, alors qu'il vit une vie parfaitement mixte avant l'école et qu'il en vivra une après l'école? Pourquoi faire cette parenthèse? On dit pour essayer d'éviter qu'il y ait de la violence et de la violence sexuelle à l'école. Mais est-ce que c'est en supprimant les filles de l'école qu'on va supprimer... Alors, on peut faire ça dans la vie aussi. C'est pas la solution. Il faut au contraire éduquer nos jeunes. Leur expliquer, je vous en prie, Laurent. Perry Cochin. Ah oui, mais moi je suis complètement pour, parce qu'en plus je l'ai vécu, donc c'est par expérience que je parle. À partir de la classe de 5e, justement, à partir de la classe de 5e, j'étais dans des écoles de filles jusqu'à mon bac. Et ben, je peux vous dire que ça crée une bonne génération de frustrés qui, à la sortie, sont totalement lubriques et mon mari ne s'en plaint pas. Donc déjà... Et ensuite, je pense que ça permet de se concentrer sur son travail. J'ai eu mon bac à 16 ans avec de bons résultats et donc je suis pour. Parfait, très bien, c'est entendu, Stéphane Poquin. On dit qu'il y a de la violence sexiste dans le cadre des établissements scolaires. C'est évident, personne ne peut le nier. Mais donc on dit séparons les filles et les garçons. Imaginons qu'avec un tel raisonnement, on dise dans certains établissements scolaires, on entend des salles noires ou des salles juives. On arriverait à dire qu'il faut créer des classes avec des juifs ou des classes avec des noirs pour les protéger des propos racistes ou antisémites tenus par leurs camarades. On voit bien qu'en réalité, le problème, il est ailleurs, c'est de déconstruire l'imaginaire et ce qu'on appelle les rôles sociaux de genre, où on apprend dans les programmes scolaires par exemple, où on continue à apprendre à lire à des gamins des schémas où maman est à la cuisine pendant que papa lit le journal. Le vrai problème, il est là, donc on s'en sortira pas par moins de mixité, mais au contraire par davantage de mixité. Ah, oui. Annie Lemoine, vous êtes d'accord avec monsieur? Séparons les filles et les garçons. Mais bien sûr, tout le monde sait que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble. C'est vrai. Pourquoi voulez-vous les y obliger dès le plus jeune âge? C'est absolument ridicule, c'est de la bêtise, pire, c'est de la torture. Premier argument, et surtout, je trouve que vous êtes un peu tiède, pardonnez-moi, mais il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi, comment imaginer qu'on puisse librement faire dans une famille des garçons et des filles? Non, il faut poursuivre les travaux génétiques, en tout cas donner accès aux familles pour qu'on puisse, avant même la conception, au moment vous voyez, où il y a les gènes qui s'assemblent, qu'on puisse choisir. Voilà, on prend que des filles dans cette famille-là et que des garçons dans cette fille-là. Il ne faut pas les mélanger au départ comme ça. Laurent, oui. si vous continuez à constituer des plateaux mixtes sur dans cette émission, est-ce que vous pourriez demander aux filles de mettre des décolletés moins profonds? Parce que on a parfois des problèmes de concentration. Écoutez ce qu'elles disent. Alors, répondez. On oublie la véritable question par rapport à ce débat. Qui est les élèves dans certains établissements, les profs dans d'autres. Non. Ça, c'est une vraie solution. Ce sera la conclusion. Alors, je crois qu'on ne peut pas mieux faire. Si vous voulez en savoir plus, c'est aux presses de la Renaissance. Ça s'appelle Les pièges de la mixité scolaire. C'est écrit par Michel Fize. Merci, monsieur. Merci beaucoup.
sujet du moment. José Bové, le héros des paysans qui disent non. José Bové avait été condamné, vous le savez, à 10 mois de prison, mais comme Monsieur Chirac est plutôt sympathique finalement, il a bien voulu lui accorder une grâce présidentielle. Depuis le 1er août, notre moustachu national est donc en liberté. Libre, oui, mais pas totalement, puisque la justice lui a interdit de quitter le territoire français pour se rendre au sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Cancun, au Mexique. Monsieur Bové a donc décidé d'organiser son sommet à lui, tout seul, contre la mondialisation à Cancun, un petit village de 1500 habitants dans le Lot et Garonne. Dan Bolander, qui n'est pas con-con, a testé pour nous, envoyé José Bové à Cancun malgré tout. Essayez de le faire passer la frontière. Regardez cette caméra cachée par Jean-Pierre Petit. Bonjour, ici Dan Bolander à l'aéroport. J'ai testé envoyer José Bové à Cancun. Allez José, avec ce joli chapeau, tu vas passer complètement inaperçu. On y va ? Arriba ! La cucaracha, la cucaracha. Quoi, Mexico là. Mexico, bon, il décolle à 13h35. Et ensuite, un autre avion pour Cancun. Ça va, ouais. Heureux ? Heureux, je suis bien content. On va enregistrer ? On va enregistrer. José, t'as ton billet ? Ouais, j'ai mon billet. Ouais. Il est là, mon passeport. Voilà, messieurs. Bon, on y va, les gars. Bon, voilà. Merci, au revoir. Alors, José, t'as ton billet ? Oui, j'ai mon billet, là. Allô, oui. Non, c'est bon, on a l'embarquement. Oui, mais je suis avec José Bové. OK, il n'y a pas de souci. Non, mais José Bové pourra partir, là. Donc, quand vous arrivez à Mexico, vous devez aller au comptoir correspondance oui, oui. Et vous leur demandez les cartes pour Cancun. Hein. D'accord. Bonjour, je suis José Bové et je m'en vais à Cancun, Mexique. Merci. Merci. Je te rappelle quand José est embarqué. Ok. À tout à l'heure. Bon. Le but, c'est d'être le téléphone, il est dedans. Ta guitare, José. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer ici l'heure pour Cancun ? Allô ? Oui ? Ouais, je suis avec José Bové, là, c'est bon. Il embarque dans pas longtemps. Hein. Regarde, José, c'est ton avion pour le Mexique. Ah, ça fait plaisir à voir. Merci pour tout. T'embrasses Cancun pour nous. Hein. Ouais, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, les gars. Merci pour tout encore. Allez. À très bientôt. Ciao. Ciao. Manifestement, ils n'en avaient plus rien à foutre. Enfin, mais ils en ont rien à foutre. C'est ça le truc, non, Pocra. Non, mais du coup, ce qu'on pourrait faire, on pourrait vraiment envoyer José Bové à Cancun et son clone, on l'enverrait à Cancun. Vous trouvez que ça y est bien cette idée d'envoyer José Bové à Cancun ? C'est exactement une idée à la José Bové. Oui, tout à fait. Ah, oui. C'est-à-dire ? Provocatrice. Il aurait mieux fait d'aller à Cancale, il aurait bouffé des huîtres. Non, mais Cancun, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est une réaction à la José Bové, vous le dites, c'est bien français. Et vous avez eu le document officiel qu'il nous a fait parvenir. Le voici. José Bové invente le French Cancun. Les plumes sont des feuilles de maïs, dit-il. On va accueillir quelqu'un qui chante José Bové. C'est même le titre de son single, une chanson qu'on retrouve sur un CD vendu au profit de la Confédération Paysanne, dont, vous le savez, José Bové est un des leaders, le porte-parole en tout cas. Accueillons tout de suite l'humoriste altermondialiste Gustave Parking. Bonjour. Bonjour Gustave Parking. Bonjour, ça va ? Vous êtes garé facilement ? Oui, ça l'a bien, celle-là, on ne l'a jamais fait. Ça a l'air vraiment, Philippe, vous n'avez pas honte. Bah, il ose bien Bové. Il a le droit. C'est vrai, c'est vrai, José Bové. Bon, alors, est-ce que, j'ai dit que vous étiez altermondialiste, est-ce que c'est vrai ? Ben, je suis mondialiste au départ, puisque ça fait des années que je soutenais un peu René Dumont sur les problèmes d'environnement. Écologiste, donc, avant toute chose. Voilà, je suis écologiste avant toute chose. Et puis, effectivement, je suis plutôt altermondialiste dans le sens où la mondialisation sauvage est une utopie pour moi. Ah, voilà. Ça veut dire que là, vous soutenez Bové dans son combat. La preuve, hein, c'est ce disque, puisque tout l'argent... Ils m'ont appelé, la production. Ils ont dit, voilà, t'as pas une chanson sur José Bové, parce qu'il va aller en prison. Donc, je l'ai fait au mois de juin. Donc...
Et puis je leur ai dit, bon, je vous fais une petite chanson, et je voulais faire une chanson plutôt marrante sur le personnage de José Bové. Mais dans le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec la justice, ou vous pensez qu'on doit laisser passer José Bové pour qu'il puisse aller à Cancun? Moi, je pense qu'il pourrait le faire sortir, parce qu'après, il suffirait de l'empêcher de revenir. Et puis... Ça, c'est une bonne idée. Il y a une polémique d'ailleurs à propos des arrachages de champs de maïs transgéniques. J'ai lu ce matin qu'il y avait eu des plants qui avaient été arrachés en Auvergne, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ces plants-là servaient, nous dit-on, servaient à la médecine et à aider les enfants malades. Lui, hein, c'est pas lui, sur le disque, qui est écrit derrière, et c'est ça qui m'intéressait, qu'il arrêtait les actions parce qu'il en avait marre d'aller en prison et qu'il préférait vendre des disques ou des choses comme ça. Mais en même temps, des types qui vont arracher des plants de maïs transgéniques se font foutre en prison. Et les gens qui polluent les nappes phréatiques dans le pays entier, qui empoisonnent le sous-sol, les gens qui sont responsables des marées noires, eux sont toujours en liberté. Je comprends pas. En fait, pour soutenir mon ami Gueluc, je pense qu'on est plutôt tous d'accord avec le combat de José Bové. S'il commence à irriter, c'est un peu qu'il nous gonfle médiatiquement. Bah oui, mais en même temps, tout le monde l'invite. Ouais. Mais il fait ça pour se montrer. Non, il fait ça pour se montrer. Excusez-moi, sur votre respect, mais vous aussi, vous êtes là pour vous montrer. Beaucoup de gens sont là aussi pour se montrer et défendre ses idées. Non, mais non. Là, son excuse, c'est qu'il vend quelque chose. Je comprends très bien. Non, il représente il représente un syndicat. Si c'était pas lui qui défendait tout ça, ça serait qui? Ça serait Roselyne Bachelot. Non, mais alors, à côté de ça. Ce n'est pas parce que de temps en temps il a une bonne idée comme celle d'aujourd'hui que ça justifie tout le reste. La fin ne justifie pas forcément les moyens. Le problème, c'est que là, il se fait passer pour une victime. Et il dit c'est profondément injuste que je puisse pas aller à Cancun. Non, c'est pas injuste. Il est condamné. Il a déjà la chance d'être dehors. Moi, à sa place, je ferai profil bas et j'écrirai un bouquin. Enfin, bon, c'est pas sa nature, c'est pas son genre. Et il a des comptes à rendre. On parle de lui comme si c'était un trafiquant de drogue. Attends, je suis désolé. Si on en était là, on a l'impression qu'on est au 19e siècle quand on foutait en prison. Les mecs, les syndicalistes. Non. Ah, bah, non, c'est non, exactement ce qui s'est passé. Il a été jugé. Quand tu défends des idées et je ne t'en fais pas. C'est très stalinien comme attitude. Tu ne défends pas tes idées par n'importe quel moyen. Il fait usage de ce qu'on appelle quelque chose qui, moi, me semble important et qui est une tradition en plus assez française, qui est la désobéissance civile. Lorsqu'on estime que la loi n'est pas juste, on refuse de l'appliquer. Ah bon, aller dans un endroit privé qui appartient à un privé et lui péter, tu trouves ça civil? Quand on a des idées, il ne faut pas hésiter à se mettre hors la loi pour défendre ses idées. C'est moi, je suis d'accord avec son combat, mais pas de la façon dont il le mène. Non, évidemment, je peux plus la ramener autrement. Claude n'est pas d'accord. On peut je suis pas d'accord. Il y a des pays entiers qui ont été sauvés par des plantes transgéniques. La famine a disparu de l'Inde. Là, j'ai étudié vachement. Hein. Ce sera le mot de conclusion sur ce sujet. José Bové, c'est un single que chante Gustave Parti. On le retrouve sur un album au profit de la Confédération Paysanne. Bon, on va parler de vous un peu quand même. Il y a aussi un spectacle, vous êtes tous les lundis soirs au Trévise à partir du 15 septembre. Et c'est 2 euros l'entrée, les gens donnent ce qu'ils veulent à la sortie. Mais les gens à la fin, ils donnent beaucoup ou pas? Ça dépend de la qualité du spectacle, si je suis en forme, les gens vont donner, si je suis pas en forme, ils vont rien donner. Et puis pour le DVD, c'est la même chose, c'est 2 euros au départ. Ah non, non, celui-là il est... Non mais si ça vous plaît pas, je vous rembourse. C'est drôle, hein, j'ai lu des phrases, parce que vous avez aussi publié quelques bouquins, des phrases... J'imagine tirer de votre spectacle ou quelques pensées que vous avez eues qui sont franchement marrantes. Par exemple, vous dites, il n'y a que le premier pas qui coûte, surtout quand on marche sur une mine. Oh. Le Pen est tellement raciste que quand il bronze, il se tape dessus. C'est plutôt rigolo. Le contraire de la libido, c'est le bidoli. Ah, ça c'est beau ça. Je vous propose de regarder un extrait du DVD. Les patrons ont changé de nom, ils s'appellent le MEDEF, vous le saviez ça? Ça veut dire, même en dormant, enrichis ta famille. Faut pas confondre avec la MNEF, ça veut dire, même nous, on envoie du fric. C'est dur de vivre dans un carton. Hein. Moi, je connaissais un type qui vivait dans un carton. La police l'a pris pour un colis suspect. Ils l'ont fait exploser. Ah, excusez-moi, j'ai un peu chaud. J'ai même des auréoles. L'auréole, parce que je le vaux bien. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young... Gustave Parti, au Trévise, à partir du 15 septembre, tous les lundis soirs. Alors c'est vrai qu'au départ,
Vos spectacles, c'était plutôt dans la rue. Vous êtes un artiste de rue au départ. Oui, je viens de la rue. Grâce, évidemment, à ces spectacles de rue, j'imagine qu'on vous a donné des tas d'objets. Moi, je vous en donne. Oui, alors voilà. C'était des vieux spectacles, ça. Alors là, j'avais inventé la bombe alimentaire. C'est une bombe d'alimentation massive. C'est-à-dire, plutôt que d'envoyer des bombes et après de nourrir les gens, on envoie directement la nourriture, ils mangent, on n'a plus à les attaquer. Voilà. Moi, je m'en fais discrètement. Je mets le pétard dedans. Normalement, il était beaucoup plus petit. J'ai jamais fait avec un grand pétard comme ça. On va voir. Alors, je ne suis pas courageux. Je vais essayer. Attention. Ah, ça a pété. Wow. Voilà. Oh la vache. Et après, tu peux faire un truc contre. Et après, tu peux manifester contre les mines antipersonnelles. Et tout, excusez-moi. Et avec ça, alors? Avec ça, c'était bien. C'est justement quand il y a eu la vague de sécurité en France. Là, je me suis dit, si vous avez des problèmes de sécurité, vous prenez juste un dictaphone et vous pouvez le transformer en talkie-walkie. Alors, tu fais d'abord le message. Oui, je suis derrière, je t'entends bien, je contrôle bien Laurent Ruquier et toute sa bande. Oui, il y a un escadron de CRS derrière moi, on va intervenir bientôt. Mais ils vont s'apercevoir que tu pars avec ton dictaphone, connard. Tu vois? Hop, après, tu rembobines, tu reviens et après, tu te pars. Allô, tu m'entends? Oui, je suis derrière, je t'entends bien. C'est où? C'est ouais. Génial. Alors, c'est bon, c'est vrai, derrière moi, on va intervenir bientôt. Ah, ça c'est bien. Mais ça. Mais on s'aperçoit que tu parles avec ton dictaphone, connard. Ah ben oui. Gustave Parti, votre édive, à partir du 15 septembre, le disque OGM égale Planète en danger. Merci Gustave Parti. Merci. Et ben voilà. Merci beaucoup. Super. On se calme, Péricochin, et vous aussi, Annie Lemoine. C'est vrai que nous allons maintenant recevoir Grégory Basso. C'est le vrai faux maçon millionnaire, bien bâti, vous l'aurez remarqué, qui cet été sur TF1 était à la recherche d'une jeune femme, simple et pure, qu'il aimerait pour autre chose que ses gros billets. Après avoir écarté une à une les séductrices les plus vénales, il a fini par trouver l'âme sœur, vous en souvenez. Elle s'appelle Marika, et selon Greg, elle est sensible, intelligente et brune. Ils s'aiment comme des fous. Nous allons tester ensemble un vrai couple made in télé-réalité, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas sincères au fond de leur cœur. Voici Greg, le millionnaire, et Marika. Bienvenue. Merci. J'ai envie tout de suite de vous poser une première question, parce que, évidemment, tout ça a été diffusé pendant l'été sur la chaîne concurrente, mais ça a été enregistré avant. Alors, ça fait combien de temps que vous vous connaissez maintenant? 4 mois. Qu'on est ensemble 4 mois, qu'on se connaît 5 mois. Parce que le tournage a duré un mois, en fait. Le tournage a duré un mois et ça s'est fait à la fin de l'émission, en fait. Ça s'est pas fait pendant le tournage, mais on s'est mis ensemble. Quand vous dites ça s'est fait, vous parlez de... Mais nous deux. D'accord, oui. Pourquoi elle? Pourquoi Marika par rapport... Elles étaient 20 au départ. Parce que c'est la première que j'ai remarquée quand je suis arrivé dans l'émission. Et c'est la première qui s'est dégagée du lot pour moi. Elle est toujours restée en retrait, elle a jamais critiqué personne. Et puis, fuyez, ils te suivent, quoi. Alors vous connaissiez évidemment le principe du jeu, c'est-à-dire au départ quand même de mentir à toutes ces femmes en leur faisant croire que vous étiez millionnaire, alors que vous n'étiez pas très fortuné. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et toujours pas. Mais vous alors, ça m'intéresse parce que, je sais pas, c'est une émission... On connaissait le principe de cette émission qui existait déjà aux États-Unis. Vous n'aviez jamais entendu parler de ça? C'est-à-dire que vous étiez vraiment persuadé qu'il était millionnaire. Vous y avez cru? On m'a dit que c'était le célibataire idéal. Donc c'était un homme riche, beau, qui cherchait la femme de sa vie. Le bachelor, quoi. Voilà. En quelque sorte. Et comment vous pouvez faire votre vie aujourd'hui avec un mec qui vous a menti sur toute la ligne au début? Je vois pas ça comme un mensonge. Bon, il a été casté pour faire cette émission-là. À la base, c'est un jeu. À la base, elle savait dans quoi elle s'engageait. Tout de suite après l'émission, en fait, après le tournage, il m'a dit toute. Oui, bien sûr, mais un mec qui est capable de mentir à ce point et aussi longtemps, mais je sais bien, mais s'il est capable de mentir si bien, moi j'aurais le stress tous les soirs, je rentre chez moi. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, bah j'ai bossé, machin. Et je dis, c'est pas possible. Mais ça m'empêche pas de lui poser des questions. Ah, c'est clair. Et de pas le croire alors? Si, je le crois. Ah bon? Et la vraie question de Perry, c'était, mais comment tu fais pour vivre avec un type qui est pas riche finalement? Sauf que peut-être depuis vous l'êtes grâce à cette émission, non? Toujours pas, malheureusement. Toujours pas. Mais Laurent, est-ce que vous avez remarqué cette similitude entre lui et la chaîne? C'est-à-dire? Lui, on croyait au départ que c'était un milliardaire et on s'est rendu compte que c'était un maçon. Et à TF1, au départ, c'était des maçons et ils sont devenus milliardaires. Très bon. Jean-François Guéret.
Moi, je voulais vous demander, bon, pourquoi vous faites ce genre d'émission? Parce que quand même, vous êtes assez mignonne. Si vous cherchez un mec, vous pouviez le trouver ailleurs. Et puis, c'est une bonne question. Vous ne pensiez pas quand même qu'il y avait un truc bidon à la base de trouver un mec dans une émission de télé, une arnaque ou un truc comme ça? La preuve. La preuve que oui. Bah, la preuve qu'on est ensemble, qu'on s'aime et que ça fait 4 mois qu'on vit ensemble. Donc je crois que ça ferme. Et l'émission de rupture, c'est programmé pour quoi? Alors, juste répondez à Jean-François Derek. En fait, je faisais les boutiques, quelqu'un est venu me voir, m'a proposé de faire une émission, une télé-réalité. On me dit, voilà, c'est un homme, il est beau, il est riche, il cherche la femme de sa vie, c'est un tournage, ça dure 3 semaines. Est-ce que vous voulez le faire? Moi, je leur dis non. Je suis à mon compte, j'ai ma boutique, je peux pas partir comme ça. De tatouage, hein, je crois. Piercing, oui, tatouage piercing. Voilà. Et puis mon père me dit, mais vas-y, tu vas vraiment percer. T'es pas marié, t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu risques? Vas-y, quoi. J'ai pas entendu. Marika. Tu vas vraiment percer. C'est ça. Mon père me dit, mais vas-y, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, qu'est-ce que... Fais-le, quoi. Marika, j'ai une question à vous poser. Vous n'auriez pas rêvé d'une autre émission dans laquelle il y aurait eu 20 types, jeunes, beaux, ouais. Et vous auriez eu le choix. C'était pas forcément Greg, le choix. C'était peut-être... Moi, Vous avez vu comment il a parlé de vous? Il a dit, c'était la première qui se dégageait du lot. Disons que c'est la première que j'ai vue. J'ai eu le coup de foudre pour elle pratiquement immédiatement, quoi. C'est un vaudeville. Nous, on sait qu'il n'est pas millionnaire. Les gamines ne le savent pas. Et ça donne une complicité au jeu, c'est du fédo par moment. Voilà, c'est formidable. Il y a un côté vaudevillesque dans cette situation, on peut dire ça. Je voudrais justement vous interroger par rapport au Bachelor, parce que c'est vrai que les deux émissions existent aussi à l'étranger. On dit d'ailleurs que... Il va y avoir la Bachelorette ici bientôt. C'est vrai, ouais, et qu'il vaut mieux d'ailleurs passer le Bachelor d'abord sur une chaîne pour qu'ensuite sur une autre on puisse passer Greg le Millionnaire, parce qu'en fait c'est la version tronquée du Bachelor. On comprend mieux le principe de Greg le Millionnaire une fois qu'on a vu le Bachelor. Parce que là, effectivement, Claude l'a dit, il y a un deuxième sens. Deuxième degré, il faut le prendre de toute façon. Vous l'avez rencontré, le Bachelor? Non, et j'espère le rencontrer bientôt. Parce que lui, il a été plutôt sympa avec vous. Mais moi, je le trouve très sympathique. Et puis, quand je le voyais dans l'émission, ça me faisait un peu mal au ventre à chaque fois. Pourquoi? Au moment des éliminations, j'avais l'impression de vivre ce que j'avais vécu pendant le tournage. Et... Parce qu'en plus, vous regardiez son émission à lui. Ah, j'ai regardé son émission, bien sûr. Si on l'appelait, il s'appelle Olivier Siroux. J'ai son téléphone. On va l'appeler. Voilà, avec plaisir. Et vous allez lui dire un mot. Peut-être qu'on va tomber sur son répondeur. Hein, parce qu'évidemment, on ne prévient pas les gens avant. La seule personne qu'on a réussi à joindre depuis le début de la semaine, c'est Jack Lang. Il est toujours au bord de son portable. Il attend. Alors voilà, je vous laisse parler à Olivier Siroux. Si c'est un répondeur, vous lui laissez un message. Décroche, décroche. Allô? Oui, Olivier? Oui. Oui, bonjour, c'est Greg. Ah, bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est une surprise. Je sais pas, t'es au courant qu'on est sur le plateau de Laurent? Non, il est pas au courant. Ah, t'es pas au courant, en fait? Non, il est pas au courant du tout. Ouais, mais voilà, on est sur le plateau, on a tout essayé en fait, et puis on était en train de parler de toi, et je disais que tu avais l'air de quelqu'un de vraiment sympathique, et que ça me ferait plaisir de te rencontrer, et qu'on prenne un verre, qu'on mange un bout, et puis... Ouais, et plus, il y a affinité. Olivier, merci de répondre comme ça en direct dans l'émission. Vous ne vous étiez jamais parlé avant, tous les deux? Non, j'ai jamais eu de contact avec toi. On s'est parlé par interview interposée. Tu m'as bien défendu. Moi? Oui, tu m'as bien défendu, oui. Moi, je t'ai bien défendu. Ouais, enfin, c'était pas bien méchant, mais bon, tu m'as un petit peu. C'est pas vrai. Si, je l'ai vu, La déformation d'interview. Bon. Non, sincèrement. Hein. Non, il entend descendu et pas défendu. Ah, défendu. Oui, d'accord. Et pourtant, vous avez des grandes oreilles, Olivier. Si, Ah ouais. T'es très mignon et je trouve que t'as bien joué ton rôle. C'est méchant, Laurent, c'est pas des oreilles, c'est des paraboles. Et je suis très jaloux de lui, il faut comprendre. Vraie question. Est-ce que, Olivier, tu as épousé Alexandra? Non, pas encore. Ah, mais t'as tout suivi, alors. Grégory nous disait il y a un instant qu'il avait regardé le Bachelor. Est-ce que vous avez regardé Greg le Millionnaire? Ouais, bien sûr. Ouais. Merci. Ouais, ça m'intéressait, évidemment. Laquelle des deux émissions était la mieux pour vous? Je parle pas en termes de qualité, mais... Ouais, en termes de concept. Hein. Exactement. Ouais, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Alors, on dit que l'émission de Greg, ça part d'un mensonge et tout. Nous, il n'y a pas de mensonge.
Mais au final, c'est pareil. C'est pareil. Un mec qui est seul et qui va aller rencontrer des filles, et puis voilà, et puis ils vont bien s'entendre ou pas, et puis si possible, il y aura quelque chose à la fin. Vous allez pouvoir faire un dîner à quatre, en tout cas, bientôt. Ah, ça va être sympathique. Faire des enfants que vous inscrirez à la Spirac. Oui, à quatre aussi, bien sûr. Jean-François Derec. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes marié avec Roselyne Bachelor? Vraiment, alors ça... On va pas vous déranger plus longtemps parce que vraiment, on joue le jeu dans cette émission. Ne vous avez pas prévenu de cet appel. On aurait pu tomber sur un répondeur comme ça a été le cas plusieurs fois dans la semaine. Alors un dernier mot pour vous dire au revoir. Je te dis au revoir et puis je vais récupérer ton numéro de téléphone et on t'appellera dans la semaine si ça te dit qu'on se voie. Bah, j'attends ton coup de fil alors. D'accord, mais je te remercie. Merci d'avoir répondu, merci pour votre sympathie. Au revoir. Ciao. C'est génial. Moi, je voudrais dire que je crois profondément qu'on peut tomber vraiment amoureux de quelqu'un devant des caméras de télévision. Mais c'est pas devant les caméras. Et d'ailleurs, je vais vous dire que la personne à laquelle je tiens le plus, je l'ai rencontrée devant les caméras de télévision. Voilà. N'est-ce pas, Jean-François? C'est vrai. Nous jouions aux cartes, tous les deux. Et il aime beaucoup ce jeu. Au début, je n'étais pas sûr de mes sentiments. Je me demandais s'il ne voulait pas juste m'utiliser comme un jouet sexuel. Et me jeter après, une fois qu'il aurait eu ce qu'il voulait. Mais non. Non? Finalement, non. Quand on a joué, tu as tout de suite... Tu t'es laissé tirer une carte au hasard? Tout de suite, laissé tirer. Une carte. Je fais et après, vous appelez ma puce. Qu'est-ce que je dois dire après? Ça, c'est de la télé-réalité, croyez-moi. Tout était dans le bonnet, messieurs, dames. Tu voulais me demander si... c'est une honte. C'est une honte. Ce sketch est une honte. C'est la plus grosse escroquerie que j'ai jamais vue sur un plateau télé. Mais enfin, franchement... Nous nous aimons devant les caméras. Tout le monde le voit. Mais sachez que derrière les caméras, c'est pareil. Nos sentiments ne changent pas. Exact. D'ailleurs tout à l'heure, on va aller s'aimer derrière les caméras. Non, tout à l'heure, j'ai un train à prendre. Okay. Mais je voulais savoir, Jean-François, si tu avais su très tôt que je n'étais pas aussi riche que tu le croyais, m'aurais-tu aimé de la même manière? Bien sûr que non. C'est un peu comme si toi, tu apprenais que j'étais homosexuel, tu m'aimerais pas non plus. Ah non, moi, j'aime pas les... Merci Philippe et Jean-François. Bon, alors, on va vous tester tous les deux sur votre couple, parce que je suis sûr que derrière les caméras, vous, téléspectateurs, vous dites, bon, allez, ils nous racontent n'importe quoi, c'est pas un vrai couple. Alors, il faut leur prouver aux téléspectateurs que vous êtes un vrai couple. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que je l'emmène? Non, tenez. On va vous faire passer un casque, vous mettez ça sur vos petites oreilles. Voilà, j'en dis vos grandes, si vous aviez été le bachelor. Après, perdu de vue, les amours. Et voilà, les amours avec Marika et Grégory. Première question, Marika. De quelle couleur, Marika? Ah non, il a mis casque, il a mis casque. Ah, triche pas. De quelle couleur, Marika, est votre brosse à dents? La vôtre. Ça dépend avant ou après cette brosse à dents. Actuellement, elle est verte. Parfait. Comment étiez-vous habillée hier? Hier, j'avais un kimono gris l'après-midi et un tailleur noir le soir. Parfait. Avec quoi dormez-vous? Nu. Et avec qui? Avec qui ça? Avec mon loulou. Avec son loulou, parfait. On applaudit Marika. Oui. On va vérifier tout ça. On a inscrit toutes vos réponses, alors je vais tout de suite demander le temps qu'on me les amène. Oh là là, j'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà. Alors allons-y. La première question, allons-y Grégory, c'est quelle est la couleur de la brosse à dents de Marika? Elle utilise la mienne. Elle est toujours en train de prendre la mienne, elle est toujours en train de piquer mes brosses à dents. Mais elle est quelle couleur? Elle est verte, verte et blanche. Oui, c'est normal. Bravo. Comment Marika était-elle habillée hier, Greg? Hier soir, avec un superbe tailleur noir, très bien taillé. Et le matin, Le matin, t'avais quoi déjà? Dans l'après-midi. Le matin? Dans l'après-midi, elle avait... je me rappelle plus. Il l'a enlevé tellement vite. J'ai un doute, c'est qu'elle l'a enlevé tellement vite. Allez, on va gagner le voyage. Attends, j'ai un doute là. Bon, pour le soir, c'est bon en tout cas. Allez, c'est autorisé. Je me rappelle plus de lui. C'est mignon, il a si, elle avait un kimono. Un kimono. Bébé et loulou. Et avec quoi dort-elle? Elle est toujours toute nue. Parfait. On fait l'inverse. On va vous demander de changer de place parce que ce sera plus simple. Autrement, vous allez entendre mes questions.
Voilà. C'est... Bon. Allez, on fait l'inverse. Quelle est la couleur de votre brosse à dents? C'est la même. Quelle est votre date d'anniversaire cette année? Le 20 avril. Le 20 avril, très bien. Êtes-vous slip ou caleçon? Caleçon ou rien. Bon, enfin, ça, elle doit le savoir, hein, franchement. J'ai rarement posé ce genre de questions. Je veux dire, c'est intéressant. C'est la première fois que je pose cette question à un invité. Quel cuisson préférez-vous pour votre viande? À point. À point, parfait. Donc, la viande à point, mm-hmm. Et Marika à poil. Parfait. Tout ça est noté, on amène les réponses. Vous pouvez enlever le casque, Marika. On applaudit Grégory. Merci. Alors, Marika, quelle est la date d'anniversaire de Greg? Le 20 avril 74. Parfait. Un vrai couple. Greg est-il slip ou caleçon? Boxeur. Un caleçon. Boxeur, caleçon. Bah non, un caleçon c'est large. Ah non, on se croirait vraiment dans les amours. Non, un boxeur. Caleçon ou rien? Oui, caleçon, c'est un boxeur. Ah, ah, là il y a un doute. Hein. La raison, quoique... c'est un caleçon, mais. Le caleçon, bon, on le raccorde. Ouais, Dernière question cruciale. Quelle cuisson Greg préfère-t-il pour la viande? À point. Ah, bon. Américain à point, il a dit. C'est génial. Vous avez gagné le voyage sur l'île de la Tentation. Eh bien, vous avez gagné un voyage, un ticket retour pour TF1, c'est déjà pas mal. Et le droit en plus de participer à notre dernier jeu. C'est parti pour le Tac à finir. Vous êtes sûr maintenant que c'est un vrai couple? Là, c'est clair. Oui. Là, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Hein. Parfait, on n'a plus de doute. Jacques Chirac, le président de la République, a déclaré, c'était dans les journaux, Roselyne Bachelot n'est pas faite pour s'occuper... Des enfants. De Derek. Problèmes. De Derek, non. De pollution. D'écologie. De l'écologie. Bravo, Greg le millionnaire. Que vous appelez Grégory Bachelot, c'est peut-être mieux. Moi, un grand pouvoir. C'est incroyable, c'est le président Chirac qui a dit ça. Ça, c'est extraordinaire. Ça, il l'aide. Ça, c'est sûr que pour soutenir une ministre, il n'y a pas mieux. La chanteuse Alizé, qui est à l'Olympia encore ce soir, a déclaré « Je m'imaginais danseuse... » Au Crazy Horse. Non, il y a un « mais » derrière. « Je m'imaginais danseuse, mais... » Mais je vais finir coiffeuse. Non. Mais je me suis cassé les jambes. Trop petit. Ça veut dire qu'en tout cas, elle aurait été une mauvaise candidate au jeu Greg le millionnaire. Alors, je vous aide. Alors, c'est qu'elle n'est pas assez payée. Bravo, c'est ça. Je m'imaginais danseuse. Mais ça gagne pas assez. Mais voilà. On ne gagne pas assez d'argent. Ça paye pas très bien. Comme quoi, on peut être beau et super intelligent, attentif à ce qu'on lit. Hein. Et on termine avec Pierre Arditi, qui parle de vin, et il déclare dans une cave, devant les caisses, les étiquettes, les couleurs, je suis... Comme un enfant. Bourré. Non. Comme un enfant, plus que ça, comme un enfant. Comme un enfant bourré. Comme un enfant éthylophile. Devant un arbre de Noël. Comme un enfant devant des jouets. Bravo Stéphane Pocrin et Claude Sarraute. Bravo, bravo. C'est fini pour aujourd'hui. On va vous remercier d'être venu sur notre chaîne, sur France 2. Vous aviez un peu peur, j'imagine. Oui, mais on est surpris et agréablement de votre accueil. Bon, bah voyez, mais non, mais merci nous, beaucoup. On n'a pas raison de vous en vouloir à vous. On trouve que les émissions sont, voilà, mais vous, voilà. Il faut bien s'en sortir dans la vie. C'est un moyen de s'en sortir. Et si vous êtes amoureux, tant mieux. Et ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci. Merci beaucoup. Un dernier appel pour le flash mob. Juste avant de se quitter, c'est qu'on lance une grande opération. Vous allez voir là s'inscrire un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et dans quelques jours, on va vous donner un lieu précis, une date et une heure précise à laquelle vous vous rendrez. On ne peut pas vous dire de quoi il s'agit. Inscrivez-vous. Si vous habitez Paris, la région parisienne, eh bien vous serez filmé par Dan Bolander et son équipe. Voilà, c'est fait, c'est dit. Au revoir Marika, au revoir Merci, Greg. Au revoir. À demain sur France 2.